Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la première balade en super motard. Et oui, le jour est enfin arrivé. Voilà, donc toujours en Auvergne bien sûr. Je suis avec un groupe de motards qui m'ont invité à venir avec eux. Donc voilà, merci beaucoup. Il y a quelques abonnés dans le groupe et même un pote, je savais pas. Donc ça fait grave plaisir. On va tester un petit peu tout ça. On est deux vrais supermas, je vous retrouverai après. Là mon pote Yo-Yo qui est avec une une 125 Beta 2019. Elle est magnifique. Super mode pareil. Il a fait une petite déco sur les jantes. Ça rend vraiment super beau. Je vais vous montrer ça juste après. C'est vraiment bijou. Alors, je vous ai déjà parlé un petit peu des sensations. Mais là, rouler en groupe, ça n'a rien à voir. Ça fait vraiment très fluide. C'est pas comme l'enduro où il y a des grosses bosses. Vu que tout est plat, tout est fluide, on a l'impression d'être un espèce de wagon. On penche tous au même moment, c'est incroyable. C'est là que ça va être intéressant, c'est là que ça va lever. Vous allez voir, je les laisse passer devant. Il y a plein de belles motos. Coucou! Je parlais de ta moto! Faites sa mère, hein! Ça va, elle force pas trop? Non, ça va. Après, on va pas trop vite non plus, donc ça va. On a un endroit vraiment beau. Je suis encore un peu court. J'ai pas mis le pignon plus gros. Donc c'est aussi pour ça. Wouh! Oh là là, c'est magnifique! Oh là là, c'est magnifique! Je savais même pas qu'il y avait ça à côté de chez moi, quoi. C'est quand même un comble. Alors ça, j'aime pas, je suis pas du tout habitué. Je sais jamais, j'ai toujours l'impression que la route est mouillée en fait. Du coup, je flippe. J'ai ultra peur. Je veux dire, c'est pas agréable la sensation. C'est magnifique. Waouh, waouh, waouh. Wouh, ça c'est beau. Ça c'est magnifique. Waouh, 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 waouh. Ça c'est beau. Oh là là, je suis heureux d'habiter en Auvergne, les gars, si vous le saviez. Arrête de faire ta marionnette, hein. Non, parce que t'as 30 kilos moins que nous, que voilà. Hein, oh, hein. Thank you.
après vous m'avez distancé de ouf. Mais même. C'est le feu de Dieu. Oh là là. Par contre, faut pas tomber là. Ouah. Ok, le vertige. On va pas tenter le diable. Ok. C'était une dinguerie. Regardez-moi ce bijou. Franchement, elle est vraiment propre. Donc, la 125 bêta 2019, si je me trompe pas. Il a fait un petit covering, on va dire, lui-même des jantes. Et ça rend vraiment super propre. Que ce soit quand il roule ou à l'arrêt. Il a fait comme si la roue était craquelée. Enfin, il y a de la peinture blanche, mais craquelée avec des petits espaces entre. Et ça rend vraiment très très beau. Voilà. Et franchement, elle est propre. C'est vrai que tu te dis, ça fait quand même chier d'avoir une enduro que tu vas acheter partout, qui va être ravagée. Quand la moto elle est neuve comme ça, c'est magnifique. Il a 30 heures dessus, un peu plus. Et franchement, c'est une superbe moto. Et c'est vraiment bien. Oh, magnifique.